qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir un petit retour d'expérience sur notre collaboration. Ça faisait 11 ans l'année dernière qu'on habitait dans cette maison, et puis ça faisait déjà quelques temps qu'on se disait « et si on déménageait ?» On s'est dit « finalement on est quand même pas mal ici, on est dans un cadre vert, la maison est grande, il y a des hauteurs de plafond. » Donc c'est pour ça qu'on s'est dit « on va passer à la rénovation, on se lance dans ces travaux-là. » Et pour moi, c'est la première fois où en fait je suis un chantier d'un couple. Ouais. En général, il y a un leader. Et là, j'ai senti que c'était vraiment un travail de collaboration et d'échange. Quoi. Ouais, et avec une vraie confiance de l'un à l'autre sur les choix à faire. Ouais, pour nous aussi, c'était intéressant parce que c'est une aventure quand même. Combien de temps ça a duré pratiquement? Ça fait un 9 an mois. Qu'on est dessus. C'est que finalement, le mobilier qui existait avant, qu'il est toujours là, dans ce nouvel environnement, et je trouve que finalement il s'adapte mais alors parfaitement bien à ce qu'on a réalisé ensemble. Pour la question du chantier, il s'est plutôt super bien déroulé. Ouais. On a respecté les 9 semaines de chantier, de mine noire, qui vous interpellait un petit peu. Ouais. La question de l'escalier en disant est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas et tout. Et finalement ça met vraiment en exergue le lieu. Là je regarde l'escalier, moi je trouve fabuleux cet escalier. Parce qu'il y a des teintes différentes, il y a des ombres. Il n'y a jamais un projet, j'imagine, qui se passe sans un problème. Un architecte, s'il n'y avait pas de problème, il ne servirait à rien. Ouais. C'est un chef d'orchestre, après, c'est organiser le dossier avec, disons, différents corps d'État par rapport à la problématique, des difficultés qu'on peut rencontrer. Et alors, un mot aussi sur les entreprises. Vous avez sélectionné. C'est une équipe que j'ai constituée, qui est différente d'un projet à l'autre en fonction de leur disponibilité, de leur budget. Enfin, il y a ces problématiques budgétaires aussi dans lesquelles il faut essayer de s'adapter. Ah, il y en a quand même quelques-uns qui sont pour moi très, 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 très bons. Le menuisier, celui qui a réalisé les coffrets, ouais, c'est une belle réalisation. C'est ingénieux, en plus c'est tout simple, enfin on sent que c'est pensé. Le serrurier. Effectivement, c'est les éléments des pièces qu'on voit plus. Quoi. C'est vrai, mais je trouve que c'est super bien réussi. C'est beau. Moi, quand je regarde dans le détail la verrière, comment elle est conçue, il y a les petits rivets, etc. Enfin, je trouve que c'est. Franchement, puis, il y a les deux bibliothèques qui sont venues des projets en cours d'études, qui n'étaient pas produits initialement. Oui, c'est vrai, on les avait pas au départ, non, c'était pas dans le... Ça faisait partie d'un avenant. Exactement. C'était toute demande complémentaire, fait partie d'un avenant. Voilà, c'est des contractuels, il faut le savoir. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a dessiné quelque chose d'assez fin, d'assez épuré. Ouais. Et le serrurier s'est vraiment approprié les choses en travaillant en découpe laser avec un principe de tenon mortaise comme un puzzle. Ah ouais, mais ça libère l'espace et c'est super intéressant. Ouais. Il y a surtout pour la question de la cuisine. Il était prévu de ne pas la remplacer. On a bien fait. Et en fait, c'était une très bonne idée. On a bien fait. C'était une là, très bonne alors, idée. Ouais, parce que là, alors, on a gardé nos meubles, ils s'intègrent parfaitement bien dans le nouvel espace. La cuisine, je pense que ça aurait été une bêtise. Ça aurait vraiment été une erreur. C'est clair. Et on a fait ça sur un coup de tête. Hein. Il y avait un cloisonnement très fort et l'espace paraissait assez sombre. Ouais. C'est notamment la séparation entre le salon et la cuisine. Ouais. Et le fait que je vous propose de créer la verrière, tout de suite, crée vraiment un élément de transparence. Ouais. Donc la cuisine est quand même en retrait par rapport à l'espace de vie. Et en même temps, on est dedans. Donc c'est aussi une façon d'associer la personne qui, quand on est en réception, prépare tout en étant avec les autres. Et je pense que ça apporte vraiment une luminosité dans le projet. C'est un petit peu le cœur. C'est vraiment une notion. C'est un filtre qui fonctionne assez bien. Ouais. Ouais, alors on a retravaillé aussi les espaces quand même dans l'espace aussi, chambre parentale. Ah oui, tout à fait, la chambre parentale. Et c'est vrai que moi, on se dit à chaque fois quand on se couche, parce qu'en plus on voit ces deux portes, le dressing et la salle de bain, c'est très bien fait, c'est très bien conçu, c'est ingénieux de faire comme ça. Et en fait, globalement, la salle de bain est plus petite qu'elle n'était précédemment. Ouais. Donc on a optimisé. C'est vrai. Et par contre, on a agrandi et on a vraiment réfléchi au dressing. Effectivement, la salle de bain. Donc, avec un travail de baignoire, un trapèze, qui fonctionne super bien. J'adore rentrer chez moi. Je me dis, c'est un plaisir. Je me dis, tiens, c'était pas le cas avant. Si, c'était le cas avant aussi. Mais là, c'est quand même, c'est décuplé quoi. Le plaisir est décuplé. Déjà,
de rentrer chez soi, d'avoir plaisir à être chez soi, à poser ses chaussures, à se mettre pieds nus pour marcher sur le parquet. L'odeur, il y a des odeurs aussi. Pas les odeurs de travaux, mais par exemple le parquet, il a une odeur. J'ai une odeur de bois, en fait, de un peu vert, et c'est vachement agréable. Donc voilà, c'est un sentiment, on est bien.